Bonsoir à tous. Bon, allez, au boulot. Opération principale. Retourner au workspace. Libérer le Kraken. Six points de compétence. Enfin, c'est des points de recherche. On va prendre ça. Augmenter de 4 le nombre de ressources bonnettes. Non, ça on s'en fout. Point de recherche 12, ah oui. Pirater les véhicules pour les envoyer où vous voulez. Ça. Un noir qui vole des bagnoles. Pourquoi pas? Hop. Alors, vous effectuez des recherches, c'est quoi ça? Ouais, pourquoi pas. Tu vois, c'est bien les noirs, ça. Tout dans la bagnole. Et puis c'est tout. Bricolage. Non, ça on s'en fout. On s'en fout aussi. Alors. On va prendre ça. Et basta. Allez hop. Tiens. Ma moto. Je vais monter sur ma moto. C'est par là. Hé, tu crois que je déconne? Tu crois que je déconne, fils de pute, va? Sympa, le doux d'honneur, là. Hop, donc s'il faut faire. Cool. Merci, jeune homme. De rien. Qu'est-ce que je peux, je te signale. Tu fais du super boulot. Je vais trouver une solution. Je dis juste que sous les composants de la vie, j'ai mis... Mais grand mais tu m'as cadé de tout résumer depuis le début. Tiens, j'ai trouvé un truc. Cool. Enfin, mais bien joué. Eh, fini le boule pour Josh. C'est comme de la cocaïne liquide pour lui. T'es fou, tu veux le tuer ou quoi? Non, non, y'a pas moyen, laisse tomber. C'est parti. Yeah! Wow! Comme je t'adore.
Ouais, je me suis dit, ah, tout le monde ici, tous les bouffons de DZ, que c'est les meilleurs putains de hackers, codeurs et voleurs que je connaisse. Mais allez pas dire ça aux flics, hein. Allez, santé, bande de bitch. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? Bon. Prochaine étape. Trouver une maison connectée et pirater son serveur. Elle ressemble à quoi, l'unité d'affichage du complexe AED? On va voir. Sécurité basse. Attends. On devrait pouvoir tester le 0D. On va voir ça. On devrait. C'est hyper rassurant. Ouais, quand même, 18 000. Donc c'est-à-dire que je peux avoir ça. Ah non, 118 800, putain, on n'a pas une thune. J'ai pas une thune, pardon. 32 400. Kalachnikov, quoi. Ils ont ça aux États-Unis. Donc quoi. Ouais. Peinture. Bon. Ça, j'en veux pas ton truc paralysant de merde, là. Et voyons voir. Portée, et ça. Ouais, c'est limite bien. Ça va faire réagir Bloom, ça. J'arrive pas à croire que les gens leur aient laissé autant de pouvoir. Tous ces trucs de science-fiction qu'on lisait quand on était gamin, Big Brother, le contrôle des pensées, le pré-crime, c'est devenu la réalité. À cause de Bloom et de leur CTOS, les romanciers avaient tout vu venir, mais personne les a cru. On a trop la tronche dans des banalités et des images de marques lissées pour réaliser que tout ça, c'est un putain de cheval de trois géants. Mais ouais, le CTOS fait exactement ce que Bloom a annoncé qu'il ferait. Et ça, ça nous aide pas. On lutte contre un système qui aide les gens en surface, mais qui sert d'eux en douce. Du coup, bah, c'est facile de nous faire passer pour les méchants. J'ai une petite question. Est-ce que DeadSec a un accès total au CityOS? Dans d'autres villes, quand c'était la version 1.0, ouais, on avait le champ libre. Mais le truc, c'est qu'on a fait les cons, on s'est vu trop beau. Et malheureusement, on a... C'était l'occasion de frapper fort. Alors aujourd'hui, vu qu'on est les premiers à s'en prendre au CityOS 2.0, ben on a un train de retard. Ce coup-ci, il nous attendait. J'imagine un grand tableau blanc dans un bureau de Bloom avec écrit DeadSec dessus. Ouh, ça me fout une demi-molle. Tant mieux pour toi, mais il faut continuer. Il faut rester sur ce tableau. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Les gars, le 0D a marché. Je suis dedans. Beau boulot, Marcus. Jette un œil dans la baraque. Home conserve les données de ses utilisateurs au niveau local, ça fait partie de leur garantie de sécurité.
Si t'arrives à accéder aux vidéos des visiteurs, ça devrait suffire à déclencher l'alarme. Compris. Du coup, d'accord, c'est là. Le fonctionnement de mes systèmes. Belle baraque, putain, rien à dire. Belle télé, voyons voir les bouquins. Ah ouais, ah oui, quand même, quand même. Balayage du secteur terminé. Voilà, comme rentrer comme un bourrin, quoi. Et par hasard, il est blindé. Là, c'est fait. Et il faut retourner dedans, comme si j'ai oublié de dire un truc. Putain de clé, tu vois. Ils sont pas là. Balayage du secteur terminé. Mais où est cette putain de clé? Ah, peut-être descendre, peut-être des escaliers, un truc comme ça. Ou attends. Intrus dans le périmètre de sécurité. Intrus dans le périmètre de sécurité. Sécurité mobilisée. Attends, comment est-ce qu'on fait ça? Ah oui. Oula. Voilà qui fait bon. C'est où, bordel? Contrôleur!
Oups, tant pis, on tire. Mais merde, quoi. Attends. C'est pas là. Ici, donc ce qu'il faut. Attention, alerte à double. C'est toujours pas là. Et voilà. Retour à la normale. Sur ce, je me casse. Touchez, sentez, ouvrez et utilisez chaque objet et élément comme vous le voulez. Ceci est votre expérience, votre voyage. Et quand le moment de prendre une décision sera venu, n'oubliez pas. Quand on va se casser en moto, voilà ce que je n'ai pas oublié surtout. Faut que je vais me partir en moto. C'est pas tout, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, alerte à toutes les unités. Ah, ils font chier. Voilà. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je te cherche. Ah ouais, quitter la zone. Désolé. Ah ouais, tu peux toujours tirer, connard. Hop. Monte, allez. Monte. Ce qui est bien, c'est de voler un riche. Comme ça, tu pars facilement. Oups. Et voilà, allez hop. Wouhou ! Allez, sur ce, les amis, bonne soirée. Les gars.